Mesdames et messieurs, nous parvenons à notre deuxième partie de notre débat avec le grand compositeur et chanteur et acteur également, Mohamed Abdel Wahab, la grande star égyptienne qui s'est éteinte en 1991. Aujourd'hui marque sa date de naissance, son anniversaire. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Yahya El Mahdi, qui est critique de cinéma et également artiste. Bonjour, monsieur. Monsieur Samar, comment ça va? Bonjour. Alors, quand on parle de Mohamed Abdel Wahab, on parle de tout un volet, un très grand volet de la musique égyptienne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mohamed Abdel Wahab était un égyptien, un musicien égyptien et l'un des drapeaux de la musique arabe. Il était appelé en tant que musicien des générations et son nom est tout associé au film de Massinon. Oui. Ah, bien sûr, mais connaissant bien sûr que Mohamed Abdelhad est né dans le quartier Ferjan, le quartier Babeshari, au Caire. Oui, il a travaillé comme compositeur de musique et acteur au cinéma, comme vous l'avez dit. Et il a commencé son carrière artistique en tant que chanteur dans le groupe Fawzil Zazaïr. En 1917. Oui. Il a étudié, bien sûr, le l'oud à l'Institut de musique arabe. Et puis, il commence à travailler à la radio en à peu près 1934 et finalement 1932, comme ça. Il est associé au prince des poètes, Ahmed Chaoui encore. Il compose une pose de chansons pour le prince des poètes. Il a la plupart qui a chanté avec cet apport, en connaissant bien sûr le Cléopâtre, El Condoul, et tous les poésies très connues. Mmh. Je peux dire encore que Mohamed Abdel Wahab, il est le premier qui a découvert le groupe de l'artiste Yahya Taofi. Je ne crois pas que la plupart connaissent cette information. Il a découvert Yahya Taofi à la fin des années de 80. À la fin des années 80, il a écrit à le chanteur Yahya Taofi. Encore Mohamed Abdel Wahab, on ne peut pas oublier comment ses chefs-d'œuvre avec, par exemple, bien sûr, avec Oum Koussoum, la chanteuse Oum Koussoum, la première encore, parce qu'il a écrit avec Oum Koussoum, je crois que c'était en 1925, au lieu de la maison de l'homme riche qui s'appelle Mohamed Khair, c'est le grand-père du grand musicien Mohamed Khair, encore. Mmh. Il a composé, bien sûr, avec un costume à peu près 10 chansons des chefs-d'œuvre, comme Omri le premier, Rencontre et puis Aradan Al-Qas, et tout jusqu'à l'Elessab, la dernière chanson qu'ils ont composée ensemble. Mmh. Oui. Je me dis encore que Mohamed Abdel Wahab était le premier musicien qui a composé une pièce du musique spéciale pour la danse orientale. Mmh. Et ça, c'était le premier musicien qui a pensé à composer une pièce musicale pour la danse. Mmh. Il a composé Amar al-Fartash, pour l'artiste Nagua Poet. Oui. Encore, il a composé une chanson très connue avec le chanteur, l'artiste Sidi Sabri, Anaï Hikaïti, comme pièce musicale, le programme Autographe. Oui, monsieur Yahya, quand on parle de Mohamed Abdel Wahab, en tant que chanteur surtout, il n'a pas exercé tellement, surtout avec sur le devant de la scène, c'était l'astre de l'Orient, Oum Kalsoum dans le temps, il n'a pas voulu concurrencer un tout petit peu avec elle, et en même temps, il s'est un tout petit peu pris en solo le devant de la musique égyptienne, d'un musicien égyptien. De renommée, je dirais, depuis les années 50 même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je peux dire, M. Samah, encore une information plus importante. La plupart disent que Mohamed Abdel Wahab était un, comment dire, un,
un dictateur en organisant la musique avec la plupart des chansons et des chansons. Non, Mohamed Abdelwahab connaît chaque titre qui est composé avec lui, sa liberté de choisir comment il peut présenter la chanson avec sa voix. Mmh. Et je vois encore que il a bien sûr rencontré avec la plupart des chanteurs très connus comme Faïza Ahmad, Doum Koultoum, bien sûr Faïza Ahmad Warda, et la plupart de Halim Khatib, bien sûr, et tout, Mohamed El Haïwa. Oui. Mais je vois que avec sa relation avec la chanteuse Warda était très spéciale. Parce qu'elle disait encore, avec Warda, il n'était pas comme musicien, simplement une chanteuse, mais il était comme un père, vous savez, un ami. Mm. Il a appris beaucoup. Oui. Et avec Warda, il a fait comme nous savons, par exemple, il a fait beaucoup de chefs-d'œuvre, comme les chanteurs très connus, Anda Ali, Fiyom Olilas, Omri Kullo Habitak, et encore, il a fait des chefs-d'œuvre encore, comme par exemple, on peut dire, l'Ouattan al-Akbar. Oui, certainement. Et encore une chanson très connue, Hachid Belat, encore avec Warda, mais Mohamed Sarra, c'était un duo, mais il était séparé après ça. Oui. Après, chacun a chanté une chanson. Avec Mohamed Sarra, tu ne peux pas oublier encore. Et encore, l'art de Tayeba. L'art de Tayeba, c'est très connu. Il a c'est réalisé par la télévision avec Hussein Kamel. Ah oui. Dans le chef-d'œuvre. Oui, certes. Les pièces musicales. Monsieur Erhel Mahdi, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos propos et vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Noa. Merci Samah, merci à vous de votre fidélité et excellence de programme sur l'Alternative internationale. Au revoir.